Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle découverte. On va tester la bêta de Let's Build a Zoo. Vous allez voir, c'est un jeu de gestion de zoo, comme son nom l'indique, à l'ancienne, avec une vue par-dessus. Il est ultra intéressant, j'ai vraiment aimé, et du coup, je me suis dit que j'allais vous le montrer. Allez, c'est parti. Voilà notre petit zoo. Alors, il va y avoir tout un tutoriel pour vous expliquer un petit peu comment jouer, vous inquiétez pas. Et vous allez voir, c'est vraiment cool. Alors... Hop, si on clique sur le bâtiment, on va avoir des tâches à accomplir, donc ça va faire office de tutoriel. Hop, alors il nous faut un premier enclos. Donc pour ça, hop, on va passer ça s'il te plaît, voilà. Et maintenant, on va donc construire tout simplement un enclos. Alors pour ça, on va là, on va zoomer un petit peu, j'ai envie de me mettre sur la map. Et où est-ce qu'on va s'installer pour le début? On va créer un gros enclos. Alors, il faut pas voir petit, en fait. Dans ma partie test, j'ai vu un peu petit. Et sincèrement, je l'ai vite regretté. Parce que les animaux vont avoir pas mal besoin de place. On va se faire comme ça, voilà. Hop, avec une porte un peu centrale. Et on va récupérer nos premiers animaux. Donc, il y a un zoo en Australie qui va nous donner nos premiers animaux. Donc, hop, on va sur la carte du monde. Vous allez voir, après, il y aura plus de choses qui vont s'activer. Et il va nous donner deux lapins, en fait, un mâle, une femelle. Donc on va essayer d'en prendre soin. Hop, voilà. On retourne au zoo et on choisit l'enclos où on veut les mettre. Paf, voilà. Nickel. Alors, du coup, donc on va pouvoir, en fait, acheter vraiment toute la zone autour. Donc ça, c'est vraiment cool. Et ça marche par journée, hein, tout simplement, comme dans beaucoup de jeux de gestion de parc, surtout. Donc là, voilà, on reçoit nos animaux. Hop. Est-ce qu'il faut ouvrir le zoo? Ou est-ce que ça s'ouvre tout seul? Je me rappelle plus de ça par contre. Voilà, nos deux premiers petits lapins. Tac, tâche, ouvrir le zoo et... Ça doit être bon là. On va regarder le prix des tickets, c'était 5$, on va le laisser comme ça. Et normalement, ça devrait se faire... Ah, j'ai pas vu, il y a le panneau là quoi. Donc voilà, on va ouvrir le zoo, hop, c'est fait. Alors, on a une nouvelle tâche ici. Qu'est-ce que tu nous veux? 25 clients, donc ça, on va le faire automatiquement, hein, de toute façon. Je vais vous le dire. On peut le mettre en pin, ok, bah, c'est déjà fait. Et la deuxième, c'est quoi? Bah, ça, c'est automatique, il faut tout faire. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire en attendant, tout simplement, parce que là, il va falloir nos premiers clients. Et nous, on va pouvoir construire pas mal de choses. Alors, pour l'instant, tout n'est pas débloqué du tout. On va avoir des recherches à faire, mais ça, on va y venir après. Mais là, je vais tout simplement, en fait, bah, développer un petit peu la zone pour les animaux. Enfin, la zone d'accueil du parc, pardon. Hop, alors, on va se faire une grande allée centrale. On va continuer comme ça. Tac, tac, tac. Voilà. Et on va tirer un trait ici. Ce sera fait. Ça nous coûte combien? 1 euro. Enfin, 1 dollar. Bon, ça va. Pas dire que ce soit trop cher. Et on va faire juste deux, hein, ça suffira. Boum! Voilà! Donc ça, c'est pas mal. Donc pour l'instant, vraiment, on n'a pas grand-chose. On peut se mettre une carte du zoo. J'aimerais bien la mettre là, en face de l'entrée, mais c'est pas symétrique, ça me plaît pas. Allez, on va la mettre là, du coup. On va la décentrer, ça ira bien. Alors, on a un chercheur. Bon, on va accepter, hein. Et du coup, on va pouvoir faire des recherches. Tac. Alors, le bâtiment des recherches, c'est ce qu'il faut qu'on construise, d'ailleurs, si je vous dis pas de bêtises. Alors, juste pour vous montrer, mais normalement, c'est automatiquement... Bah non, mais il a été ajouté ici directement. Hop. Le bâtiment des recherches, on va le mettre là-haut. Pouf. Alors, on peut bouger tous les bâtiments après, donc ça, c'est pas trop grave, à la limite, si on se trompe d'endroit. On va engager un chercheur, on va le laisser au salaire qu'il est de base, ça ira très très bien. Et on va se préparer déjà un deuxième enclos. Je sais même pas si on va pas le faire un peu plus grand. Tac, tac, voilà. Alors un truc, est-ce qu'on a déjà débloqué certaines choses? Des objets, de l'eau. Voilà, on peut mettre de l'eau, donc ça va leur permettre d'être en bonne forme. Alors on va le mettre au milieu, parce que la dernière fois j'avais mis sur les côtés, mais je me dis que c'est peut-être moins efficace. Et on va surtout bouger cet objet-là. Parce que vous voyez, c'est ça qui nous permet d'avoir de l'eau. Je vais le mettre là, caché un peu. On mettra quelque chose devant après. Hop, parfait. Comment on sort de ça? Voilà. Alors, est-ce qu'on a des tâches à faire particulières? Il
faut que je sorte de la boutique. Hop. Alors, on va finir la tâche. Voilà. Donc là, on va gagner de l'argent grâce à ça. Et on va essayer de voir si on n'a pas... Donc maintenant, on va avoir des recherches. Et en fait, tout simplement, quand on va débloquer une recherche, ça va en débloquer autour. Et on va avoir de plus en plus de recherches. Bon, là, c'est une version bêta. Donc, on va en avoir une dizaine de plus, si je vous dis pas de bêtises. Dans ma partie test, j'avais vu ça. Alors, ah, on a un premier bébé. Regardez, ici. Hop là. Alors, est-ce qu'ils vont bien, nos animaux ? Alors, il y a des naissances. L'eau, ça va pas. Pourquoi ça va pas, l'eau ? Ouais, alors je suis pas sûr que ça aille pas vraiment pour l'instant. C'est que ça doit pas être à le jour. Parce que là, honnêtement, bon, ils ont ce qu'il faut, non ? Hop, alors, on va revenir sur l'étage dans un premier temps. Parce que de toute façon, on n'a pas que ça à faire. Donc là, on a nos premiers clients qui arrivent. Et nous, on va essayer de développer un peu l'économie du truc pendant que le jeu se met en place. Alors, on peut se mettre un truc de hot dog. Ça me semble pas mal. Ici, on va engager tout de suite quelqu'un. On va aussi lui mettre... Allô ? Oh, il y a vraiment... Non, mais c'était pas vraiment ça que je voulais, moi. C'était la boutique de souvenirs. Bon, on va la mettre de l'autre côté, pour le coup. Voilà. Ouais, si vous connaissez un petit peu la chaîne, vous savez que j'ai un problème de symétrie dans ma tête. Faut que les choses soient un peu alignées. Donc là, c'est la première nuit. Pour l'instant, voilà. Donc la démo, enfin la bêta, elle est limitée à 15 jours, si je vous dis pas de bêtises. Donc là, il va falloir faire un peu vite quand même. Alors, on a une nouvelle personne... peut-être que vous auriez besoin de nourrir vos animaux. Parce qu'en gros, si on les nourrit pas, ils vont mourir. C'est littéralement ce qui a marqué. S'ils sont morts de faim, ils vont mourir. Donc, ce qu'il nous faut pour ça, c'est un store room. Enfin, un entrepôt, hein, en gros. Et on va le mettre là, pourquoi pas. Paf, voilà. Avec quelqu'un qui va s'occuper de nourrir nos animaux. Parfait, ça. Alors, on va regarder un petit peu en attendant, puisque moi, je suis pas... Alors, oui, je peux peut-être valider cette tâche, déjà. Paf, on la valide. Ça va nous débloquer d'autres choses. Et là, en gros, on nous explique qu'il va falloir recruter quelqu'un pour s'occuper... Bon, on n'a pas de bonus. Pour s'occuper de nettoyer le parc, sinon, on va être infesté par les rats. Hop, alors, le géniteur, ça j'avais mis trop longtemps réellement à comprendre comment ça marchait. Mais en gros, il faut aller dans la gestion du parc, donc c'est à l'entrée. Et dans le staff, tout simplement, ici, on va pouvoir... ici, il y a deux onglets. Moi, j'étais là, en fait, ça marchait pas au début. Il va falloir créer une annonce. Donc, on va mettre une annonce et on va même booster au niveau du social pour... on va la poster un petit peu partout, dans les réseaux sociaux, etc. Histoire de pouvoir recruter un type plus vite. Donc là, dès qu'on aura des mecs qui vont enfin postuler, on pourra le voir ici. Mais ça m'avait mis un petit moment dans ma partie test. J'étais un peu bloqué sur cette tâche, je comprenais pas vraiment quoi. Alors, la recherche, est-ce que on a une recherche de libre? Oui, on a 3 points. Alors, on va se faire... Boum! La boutique, là, des boissons. Le trampoline, c'est pas mal. Puisque... Alors, on n'a pas assez de points pour le trampoline. Ah non, il faut 3. Et ben, on va faire tout ce qui est pour les animaux. Voilà, on va mettre une petite balle. Comme ça, ils pourront jouer. Alors, je suis pas sûr que des lapins jouent réellement avec des objets de ce genre. Mais, dans le jeu, en tout cas, ça marche. Allez, on va prendre rouge. Voilà. Tac. En espérant qu'ils aillent bien. La fin, ça va pas ? Ah, si, ça va, la fin. Il nous faut plus d'animaux, de l'eau... Et de l'entertainment, enfin en gros de l'amusement, on est en train d'en mettre, donc normalement ça va peut-être les aider. J'ai tout vu, oui, alors forcément les mecs se font un petit peu chier dans le parc, il n'y a pas grand chose pour l'instant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir un petit peu sur la carte du monde si on peut pas recruter d'autres, enfin récupérer des animaux. Alors tout simplement ici, il va nous falloir faire des échanges, pour l'instant on n'a pas assez, on aurait pu échanger un lapin contre contre des chevaux. Mais là on va essayer plutôt de récupérer des choses comme ça, par exemple des cochons. Alors moi, je vais prendre les 3 cochons qui sont là. Hop, et on va les mettre ici. Parfait. Hop là. On va continuer de développer un petit peu notre parc en attendant. Alors, ok.
Qu'est-ce qu'on pourrait mettre de chouette? On a débloqué la machine à boisson. Et ça, c'était cool. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Ah oui, on peut tourner aussi les bâtiments. J'avais oublié ça. Ouais. Alors, on va se mettre là. Et de toute façon, ça, on va le décaler au bout d'un moment. Hop, on va engager un type. Est-ce qu'on a des nouvelles tâches? On va sortir du menu de construction. Hop. Alors, celle-ci, on l'avait fait. 25 clients, c'est bon. Ah ouais, on a toujours pas le mec qui nettoie. Donc, vous voyez, si vous regardez bien, en fait, ici, il commence à y avoir des petits détritus par terre, quoi. Hop. Donc, ça, automatiquement, je lui demande de tout mettre. Donc, les 100 clients, pour l'instant, on peut rien faire. On va voir si notre annonce a porté ses fruits. J'ai pas l'impression. Pas d'application encore. Ok. Bon, personne n'a postulé chez nous. Ça va rester sale pour l'instant. Alors après, on va étendre le parc, mais j'attends qu'elle me propose comme mission, comme ça, ça sera quand même un peu mieux. On va préparer l'arrivée en fait de nos petits ports. Tac. Alors de l'eau. Bon, on va mettre ça pour changer. Hop, on va leur mettre aussi pour s'amuser. Cette fois-ci, on va leur mettre une balle bleue. Hop. Et alors, on va regarder dans la recherche si on a des choses qui se sont débloquées. On a un point de recherche, ça ne suffira pas. J'aurais bien mis ça. Le trampoline, franchement, vous allez voir, les animaux, ils jouent bien avec. Bon, je sais pas si c'est vraiment très crédible, un trampoline pour des animaux, mais bon. En tout cas, le jeu lui fait comme ça, lui. Donc là, on est pas mal. Alors, est-ce qu'il y a toujours pas un type qui vient? Non, ah, fin de la journée. Donc là, nos animaux vont bien, sauf au niveau de l'amusement. Bon, on est en train de travailler dessus, et dès qu'on aura 3 points de recherche, on fera en sorte qu'ils puissent s'amuser. Donc là, on a les trucs qui doivent arriver. Alors, on voit pas, parce qu'il y a le lampadaire devant. Si je le bouge, juste 4 heures. Vous voyez, ils vont arriver. Alors, ces petites plantes-là, là... J'aurais bien fait une route, là. On va attendre un petit peu, alors. Et après, on fera un truc un peu plus joli. Quoique... Pour l'instant, on a que ça à faire et on a un peu de sous. Ouais, 2000. On peut peut-être y aller. On va faire le parc vraiment aux petits oignons. Tac. Et tac, voilà. Ça leur évitera de marcher dans la boue. Et hop. Oula. Ah oui, alors ça, d'accord. Non, mais j'aimerais bien juste mettre en fait un petit carré. Voilà, merci. Et par contre, j'aimerais récupérer ça, le déplacer par exemple. Non, c'était pile là où je voulais pas le mettre. Voilà. Et toi, on va te déplacer ici. Alors, est-ce qu'on a un mec qui s'occupe de... Oui, ça y est, on a enfin un type qui a postulé. Bon, on va l'employer, voilà. Boum! Tâche complète. Très bien. Donc là, il va commencer à nettoyer. Et ça, c'est pas du luxe. Alors, est-ce qu'on a d'autres missions qui sont arrivées? Entre temps, j'ai pas fait attention. Non. Bon, alors, on va accélérer un petit peu le temps, puisqu'on peut gérer le temps aussi. Comme ça, on va avoir nos premiers animaux ici. Vous voyez, au niveau de l'économie, ça y est, il consomme un petit peu partout. Est-ce que je déplace la pompe ici? Hop. Et comme ça, je tire une route. Ah, on a nos premiers animaux qui arrivent. Boum. Les voilà! On va ralentir. Hop là. On se met en mode normal. Tac, alors qu'est-ce qu'il veut, lui? Acheter un terrain. Bon, et ben on va acheter celui-là. Parce qu'ici, ouais. Allez, c'est parti. On l'achète. 600. Boum. Voilà, c'est chez nous. Bon, les lapins, on va laisser comme ça. Le prochain truc, on va le mettre un peu plus grand. Ah, on a des nouvelles tâches. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc ça, on l'a terminé. On le valide. Merci. Qu'est-ce qu'on doit faire d'autre? Donc ça, c'est bon pour l'instant. On a tout fait. Alors les lapins ne se sont pas reproduits plus, je suis un peu étonné. Au niveau des points de recherche, on est à 4. Ouh, on peut dépenser ça. Allez.
Boum, ça va être la fête dans les enclos, vous allez voir. Alors voyez, hop, donc on va avoir un grand carré comme ça là, avec toutes les technologies. Alors j'imagine qu'il y en aura beaucoup plus après. Là, qu'est-ce qu'il nous reste un point. Allez, on va développer un petit peu les plantes, histoire de voir un peu en déco ce qu'on peut faire. Boum. Cette animation pour débloquer aussi. Alors le mec qui nettoie pour l'instant, il n'est pas trop efficace, hein. Faut être honnête. C'est pas mon meilleur pote, quoi. Allez, on va construire. Hop, qu'est-ce qu'on peut mettre? On a des, enfin, des distributeurs ici, on va en mettre après. Mais là, ce que j'aimerais mettre. Un abri. Des toilettes. Ah ouais, des toilettes, ça peut être important quand même. Est-ce qu'on se ferait pas une zone comme ça complète avec. Ouais. Hop. L'abri, j'ai jamais essayé. Je sais pas ce que ça donne, franchement. Une poubelle, ça pourrait être pas mal, hein, franchement. Surtout quand on vend des sodas, des machins. Allez, on essaie les deux couleurs, voir s'il y a des trucs qui marchent mieux que l'autre. Alors, il faut qu'on rejoigne le marché noir pour acheter des animaux. Hop. Et ça, je vous avoue que c'est le truc, je n'ai pas trouvé comment le faire. J'ai ma petite idée. J'y ai réfléchi après, mais je suis pas sûr du tout. Alors là, on a un nouveau bébé lapin. Donc c'est que ça se passe bien pour eux. Et on va ajouter. Voilà, pour les animaux, voilà, c'est. Je pensais à ça. Ah maintenant, mais ça me ramène au même endroit. Bon bah le marché noir, je sais pas trop comment on va faire. Je suis pas sûr qu'on trouve. On va rajouter un objet, donc on a dit un trampoline. Ah, il est un peu petit notre enclos là. Je vous avais dit qu'il fallait voir grand. Je me suis peut-être même pas assez écouté. Hop, on va passer sur lui et pareil, on va lui rajouter un trampoline. Cette fois-ci, on va mettre l'autre histoire de faire un peu de tout. Voilà. Bon, du coup, les animaux s'ennuient moins, entre guillemets. Donc, on a deux petits lapins. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer un enclos pour acheter d'autres animaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre? Je ne sais pas encore, mais on va avoir besoin d'un truc. Vous avez vu, là, on va avoir, par exemple, je croyais que je les voyais. Ah non, je vais vous montrer après comment on fait. On va le faire beaucoup plus grand, celui-ci. Paf, voilà. Hop là, et on va le mettre ouais, sur le haut, comme ça. C'était ici en fait, pas non, je me trompe. Hop, sur la carte du monde, quand on regardait les animaux, en fait, on voyait d'autres types d'enclos. Vous voyez, là, c'est un peu désertique. Ici, alors on va prendre les chevaux, je pense, hein, ça me paraît pas mal. Ce qu'on peut les faire. Les serpents, par exemple, aussi, d'accord. Oh, je suis pas chaud. Vous avez vu, les autres zoos sont quand même assez jolis. On peut faire des trucs sympas. Hein. Bon, là, pour l'instant, on n'a pas tout débloqué du tout. Mais on peut faire des trucs quand même assez stylés, je trouve, quoi. Bah celui-là, il est vide. Ça, c'est le premier zoo de base. Il est vide. Et là, c'est quoi? Des capybaras? Bah, je sais pas du tout ce que c'est, cet animal. Alors, est-ce qu'on peut en acheter tout simplement aussi, sans faire d'échange pour l'instant? Ça m'irait bien. Non, c'est toujours la même chose. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est échanger un animal contre ça. Fais voir. Lui, il a 3 ans. Lui, il a 1 an, il est tout petit. Bon, on va prendre celui qui a 1 an, comme ça. On l'échange. Génial. On va retourner au zoo et il faut qu'on choisisse l'enclos, comme à chaque fois. Bim! Donc, on va tout préparer. Donc là, c'est pareil. Objet, on va leur mettre de l'eau. Ouh, je sais pas si on n'est pas hors de portée de la flotte. On va le mettre ici. Normalement, ça a l'air d'être bon. On va leur mettre de quoi s'amuser. Je pense que les chevaux, ça aime bien faire du trampoline, hein, on est d'accord. Allez, on change la baballe. Voilà. Ouais, bon, bah. Ils ont tous les mêmes activités. Et on est un zoo débutant. Soyez tolérants. On va leur mettre un petit chemin aussi, quand même, hein, parce que ça sera quand même plus cool. Paf. Paf. Là, on va. Tout serré. Il va nous falloir des bancs aussi, parce que j'ai l'impression que franchement. Est-ce qu'on a d'autres quêtes en ce moment qui arrivent ou pas du tout? J'ai peut-être pris un peu d'avance par rapport. Alors, acheter un animal au marché noir, je ne vois pas comment faire ça. Hop. Avoir des animaux, je vois que ça, moi. C'est pas ça, Animal Shelter. Non, mais c'est des zoos. Non, il n'y a rien d'autre sur la carte.
Non, c'est que des os. Je vois pas du tout ce que ça pourrait être d'autre. Prochain animal, on fera ça peut-être, si on a du temps. Mais là, j'ai envie de faire un truc plus mignon. Donc, on va essayer d'améliorer un petit peu l'aspect visuel. Qu'est-ce que c'est ça? Alors j'ai l'impression qu'on a moins de tâches. Par contre, c'est vraiment le bordel, on est d'accord là. On va essayer de prendre un deuxième janitor là. Hop, edit, on en veut un. Et on va booster, hein, franchement, honnêtement, on a un peu d'argent. Sinon, ça met très longtemps à trouver des employés, j'ai l'impression. Donc là, on va booster pour que ça arrange plus vite ça. Ah mince, j'ai pas lu, lisez, j'aurais aimé que les animaux quoi? Qu'est-ce qu'ils vont pas bien, nos animaux? Alors on va leur créer des petits bancs aussi, donc comme je vous disais, on va essayer d'améliorer leur confort. Ah, les recherches, avant tout ça, on va valider avec les recherches. On a 3 points, ce serait quand même dommage. Des bancs, ça coûte 5. Ah bah oui. C'est sûr, hein, faire des bancs, c'est très cher. La logique des jeux des fois de temps en temps, elle me fait trop marrer. Alors, du coup, est-ce qu'on n'avait pas un banc de pauvres? Si, on a des bancs de pauvres, c'est très bien ça. Et on passe plein non plus. On va mettre un banc ou deux, histoire de dire. Tac tac. Là, on en met un autre. On peut peut-être se faire un petit coin snack. Pof, voilà, c'est pas mal. Ah ouais, des lumières, ça serait quand même pas du luxe par contre. Allô. On va en mettre deux là. Un ici. Voilà. Oui, ça n'a pas forcément de sens. Je suis d'accord. Est-ce qu'on a débloqué d'autres trucs? Alors, les toilettes, on les a mis, on est d'accord. Le shelter, on n'en a pas mis, mais je vois pas trop à quoi ça sert, il pleut pas. Les gens sont pas venus se mettre à l'abri. Ah, on a des belles plantes, ça pourrait être joli, ça. On pourrait se faire un petit... Boum. La symétrie, je vous ai dit, non? Allez, hop, un peu de route. Ça m'arrangerait. Là. Tac. Tac. Voilà, c'est pas mal. On pourrait peut-être mettre un peu d'herbe aussi quand même. Ce serait plus joli. Hop, pas mal là. Voilà. Dans toutes les zones qui sont un peu moches de base. Nickel. Alors, avoir 10 animaux. J'ai l'impression par contre que les porcs ne se reproduisent pas. Pourquoi? Ils ont faim? Bon, il manque encore quelques analyses dans le jeu. Là, on va avoir par contre nos chevaux. 90%, c'est pas mal. Quel enclos ennuyant. Oh, bah quand même, allons. Bah, c'est peut-être un peu petit, effectivement, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il n'y a que 4 lapins, on va pas mettre un truc de 8 hectares non plus, quoi. Alors là, il y a un camion qui récupère les poubelles. Ok, est-ce qu'on peut être blindé en poubelle? Il faut en acheter plus? Je sais pas. Ah, là j'aurais bien fait un espace un peu avec une autre boutique ou un truc comme ça. Fais voir ce qu'on a. On a tout mis, oui, on a tout mis pour l'instant. Fais voir la recherche, on a 7 points, on va pouvoir faire des trucs là. Non, c'est ça la recherche. Youpla. Alors. Je sais pas ce que ça fait. Déco, shelter. Ouais, bah on va essayer la déco. Ah, le magasin des ballons. Il nous faut 6. Et là, il nous faut un point pour des un chercheur en plus. Ok. Il faut 10. Ah bah dis donc, c'est pas gagné. Grunt.
J'ai l'impression qu'ils n'ont pas assez à manger. Voir la storeroom. Efficace, satisfaction, d'accord. Est-ce que ça suffit? Je sais pas. Mais c'est de plus en plus sale. On va réinstaller des poubelles. Allez, c'est parti. On va rendre l'emplacement un peu plus joli. Tac, on va tout bétonner. Enfin, bétonner. Vous m'avez compris. Tac, 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 tac. Alors. Non! Je me fais avoir avec ce truc. Tac. Ce que je veux, c'est sortir du menu et éventuellement changer. Paf. On le déplace. Est-ce qu'on peut faire un truc mieux? Je suis pas sûr que ça va être vraiment mieux. Alors attendez. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour faire un truc cool? Il n'y a pas de table, ils en ont pas besoin, j'imagine. Ah, le fameux shelter. Pardon, oui, attends. Hop là! Et une poubelle, surtout. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres bancs? On pourrait mettre deux bancs là. Et une petite lumière. Alors, commission des fake ani des animaux fin faux. Vous avez un cheval et un artiste. En gros, ça veut dire on peint les chevaux pour en faire des zèbres. Alors j'avais accepté dans ma partie, mais en fait ça transforme un cheval ici en zèbre. Et apparemment ça donne des points négatifs. Donc je vais refuser la chose. On n'aura pas de zèbre, pas pour l'instant en tout cas. Parce que je ne veux pas prendre de points négatifs pour rien. Hop là! On aura des zèbres un jour réellement. D'ailleurs, on va aller voir un peu si on peut pas augmenter. On a deux lapins, encore une fois, donc on peut peut-être se faire un enclos supplémentaire. On va le faire ici, là. Pouf, comme ça les fait rester longtemps dans le parc. Et potentiellement remettre des magasins. Ils aiment pas du tout l'enclos des lapins, quoi. Vérifions les tâches. Bon, bah, le black market, hein, je sais toujours pas où c'est. Il faut recruter un deuxième chercheur. Ça, c'est une des nouvelles tâches. Ok. On va l'afficher. Hop là. Et du coup, pour avoir un deuxième chercheur, si je dis pas de bêtises, il nous faut des points. Il nous en faut 10. On est loin de les avoir. Bon, on va attendre. Et on va se concentrer sur l'autre enclos. En fait, du coup, c'est dommage parce que toute cette partie-là ne sert à rien. Alors ici, on peut changer l'apparence, au fait, je vous ai pas montré. Vous voyez, on va avoir des trucs différents. Pas mal. Ah, c'est beaucoup plus stylé. Allez, on reste là-dessus. Ça fait plus moderne. Ça va moins avec les bâtiments du fond. Tant pis. Du coup, on a dit nouvel enclos. On peut peut-être casser un peu la routine. C'est-à-dire le faire ici, comme ça. Hop là! Avec une porte là. Du coup, la route. Et se faire une place complète sur ce truc. Voilà. Tu veux voir ce qu'on fait si ça fait ça là? Non, ça a l'air moche ça. Bon, restons-en là pour ça. Et on va voir si on peut pas aller acheter des animaux. C'est ici. Bon, je vois rien qui ressemble vraiment à un marché noir. Le zoo de Moscou. Le zoo de Toronto. Le zoo de Rio. Les zoos du Japon. Si on essaye ça, hop, des petits lapins. Alors, est-ce que nos lapins. Ouh, il est âgé de 5 ans et âgé de 1 an. On va leur vendre le vieux cette fois-ci. Ça marche ou pas? Ouais!
capybara. Je sais pas ce que c'est. Hop, on retourne au zoo et on va les mettre ici. Tac. Ah, on a une tâche qui a été accomplie. On a eu notre centième visiteur. On va aller récupérer un peu de l'argent. Hop là. Hop là, 1500 balles. Ah, tout, 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 tout. Donc là, il nous demande d'attendre 200 visiteurs. Eh ben, écoute, c'est parti. Bon, quand j'y réfléchis, je me dis que là, ça a besoin d'être une place. Et on va rajouter quelques bancs, etc. Bon, la plante, c'est pas choquant en fait, quoi. Ok, allez, hop, tout ça comme ça là. Boum. Oh, c'est la fin de la journée. Ils sont tous pressés comme ça d'un coup là. Voilà. La question par contre, c'est pourquoi est-ce qu'il y a toujours des déchets, des déchets, des déchets? Ah oui, mais j'ai bien recruté le deuxième. J'ai toujours pas un mec qui postule. Attendez, je me trompe de type là, non? Je dois me tromper de gars. Non, c'était bien ça, janitor. Ok. Animal Keeper, ça a l'air d'aller. Bon. Nos machins, ils arrivent bientôt. On leur a pas mis encore. Bon, les chevaux ne font pas de trampoline, apparemment, si. Nouvelle journée. On est quel jour là? On est le septième jour, ok. Hop, on va ajouter de l'eau. Vous connaissez un peu la rengaine maintenant. Un babal. Voilà. Et un méga trempeau. Et est-ce qu'on a assez? Non, toujours pas, on est à 8. Si, c'était. Ou c'était 10. Non, c'était 10 pour avoir le chercheur, le deuxième chercheur. Attendre comme ça. On peut peut-être se rajouter des bancs ou des trucs ou des décos maintenant là. Je vais voir ce qu'on a débloqué. Donc là toujours rien de plus. Ici on a absolument rien dans build. Ok. Ah non mais build c'est pour oh, c'est tout d'accord. Ça on s'en fout. Ça non plus on n'a pas. Oh. Un petit arbre. On peut le mettre dans les enclos? On peut pas mettre de végétation pour les animaux? Alors ça c'est juste un panneau. Hop, on va dire qu'il y a des panneaux dans le parc. Je sais pas vraiment pourquoi. Mais... Ici aussi. Ah ouais, d'accord, je pense qu'on peut mettre. Oh, ça c'est classe. Elle est vendue. On va transformer ça. Ici, on a une horloge en forme de chouette. Ah, mais on avait deux types de fontaines. Oh non, je suis dégoûté. Elle est moins bien, notre fontaine. Ok, donc là, on peut mettre ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est ici. Donne-moi des constructions, vite. Plus personne ne peut passer dans le parc, normalement, là. Le bétonneur de l'extrême. Hop là. Alors ça dégage. On va le mettre ici pour l'instant. Je sais pas du tout où je veux les mettre plus tard. Mais on a besoin de libérer les accès. Voilà. Tac. A new baby was. Has been born. C'est vraiment peut-être un petit peu trop par contre en fait ici quoi. J'ai l'impression que ça bloque la place moi. Alors, cette personne a une tâche pour nous, avoir 25 animaux. Oh, on les a eus, je les ai même pas vus arriver. Ok, ils doivent durer à peu près 30 jours. Oula, j'avais pas vu ces infos. D'accord. Bah, on va faire en sorte qu'ils aillent bien. Hein.
J'ai l'impression qu'il n'y a que les lapins qui se reproduisent. Le reste, pas du tout. Alors, est-ce que c'est que j'ai mal géré le truc? Ou est-ce que c'est pas possible? 9, toujours pas. Ouh. Et est-ce qu'on a un mec qui a postulé? Non, mais sérieusement. Parce que là, j'ai vraiment besoin d'un coup de main. Alors, sinon, on va arranger un peu cette place publique. Ah, fin de la semaine. Donc ça, c'était la première semaine. Normalement, on en a deux au total. Du coup, on est en négatif parce qu'on a beaucoup dépensé. Bon, on a quand même fait rentrer pas mal d'argent. Donc c'est vraiment parce qu'on est en pleine construction. Hop là. Nouvelle journée. Est-ce qu'on a un type qui est postulé? Toujours pas. Ah, ça y est, on peut faire la recherche. Alors, il nous fallait deux recherches, enfin pouvoir recruter un deuxième chercheur. Là, on a un nouveau type de dalle qu'on va pouvoir faire après. Et alors, ici, pour recruter un gars, si je dis pas de bêtises, c'est comme ça, voilà. Alors, on peut choisir de faire des hybrides maintenant. Alors oui, c'est un peu Jurassic Park en même temps, quoi. Moi, j'ai bien envie de faire un rabbit et un hippo. Comme ça fait un gros truc. On n'a pas de serpent en plus, donc. On va faire ça, ouais, ça me paraît pas mal. Hop, donc il faut qu'on construise un bâtiment où ils vont s'amuser à jouer à Dieu. Alors, est-ce que j'avais eu le temps de valider ma recherche? Non, je l'avais pas validé. Donc, hop, un chercheur, on va booster ça sur les réseaux sociaux. Et voilà. Donc là, maintenant, il faut qu'on construise le bâtiment qu'ils nous ont donné. Paf! Autant vous dire que ça, c'est pas forcément le bâtiment le plus cool du jeu. Boum! On engage un scientifique et on va lui dire de faire certaines modifications sur les animaux. Tac. On va sur une petite place sounette ici. Voilà. Et donc on sort du menu et on va choisir ce qu'on veut faire comme hybridation. On va prendre les lapins. Je sais pas vraiment ce que ça fait en fait en réalité, quoi. Bon, et l'hippopo, comme ils avaient dit là. Il nous faut 4 jours pour faire la chose. Tac, eux, ils ont l'air d'aller bien. Il y a vraiment que les lapins qui se reproduisent. Je sais pas du tout. Et vous voyez, franchement, je vous le disais au début, je trouve que l'ensemble rend vraiment bien. Et vous avez vu, regardez la taille qu'on peut prendre. Enfin, ça a l'air insane, quoi, au niveau de la taille, vraiment. Déjà, si on va jusqu'ici et sur les côtés un peu, bah, ça fait déjà pas mal, hein, franchement, quoi. Et il y a l'air d'avoir quand même beaucoup plus de. Hop, attendez, que je vous montre quand même. Vous avez vu le nombre de bâtiments et de recherches qu'il y a. Enfin, honnêtement, ça a l'air chouette là-dessus, quoi. On va se mettre une petite lampe par ici, une autre par là, voilà. Alors là, ouais, par contre, ça ressemble plus à rien, mon barque. Est-ce que celle-là, on peut la décaler? Tiens, une au fond ici. Toi. C'est très bien là. Voilà. Pour l'instant, ça nous va. Toi, je te changerai bien d'emplacement. Hop. Alors, au pire des cas, on pourrait peut-être acheter quelques animaux de plus. On veut bien un petit cochon en plus, voilà. Hop. Donc, il nous le faut ici. Ça nous fera un quatrième cochon. Ah, mais attends, mais peut-être que j'avais que des femelles ou des mâles, j'ai pas regardé. Mâle, mâle, mâle. J'arrive pas à savoir. Poké. Alors, attendez. On va se décaler, on va zoomer un peu. Donc, Tali, Poké.
Et Bobby, c'est pour ça que ça se reproduit pas. Putain, ils sont tous du même sexe. Push et Eddie, là ça devrait par contre. Et ici, ah, ils jouent ensemble ou quoi? Sierra et Apollo. Un homme, une fille. D'accord. Alors peut-être qu'avec le nouveau, ça pourra le faire. Au niveau des recherches, nous en sommes où? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a postulé? Mais... Non. Et le géniteur? Oh, franchement, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est super dur d'embaucher un type dans ce jeu. Bon bah, ok. Ah, il y a un bébé cheval! Allez! Alors, est-ce qu'on a des nouveautés? J'ai pas fait attention. Non. Non. Non plus. Des arbres. Moi, j'aime bien les arbres, mais le problème, c'est que on peut pas le mettre comme ça au milieu de tout, quoi. Ça ressemble à rien. Ah, des petits pots avec des fleurs. Ça, par contre, on peut les placer. Pourquoi je peux pas le mettre là? Ah, on a une nouvelle tâche aussi. Hop. Et hop. Histoire que les gens aient un peu plus le moral dans le parc. Ah, des rochers. Non, mais franchement, on peut pas mettre ça dans les enclos, quoi. Alors attendez, on va aller voir la tâche et je pense que je me trompe et je dois pas bien le faire. Hop. Alors, il veut qu'on ait 4 animaux hybridés. Eh oui, mais enfin le problème c'est... Il nous faut un enclos pour ça, alors j'imagine. On va faire un enclos. Et pour préparer éventuellement, si jamais il y a une espèce de monstre qui sort de ce truc. Ah non, ça marche pas du tout. Là, ça passe. Ok, là, ça passe. Et on va le mettre ici. Voilà. Tac. Ah, par contre, j'ai plus d'eau. Là, je suis vraiment hors de portée de la flotte. C'est dans quoi? Ça doit être là-dedans. Water pump. Ah non! Hop là. Ok. Bon, on est obligé de toute façon. C'est pas bien grave. Qu'est-ce qu'ils ont là? Alors, est-ce qu'on a un... Non, toujours pas d'employés! C'est la crise. Mais les gens veulent pas travailler apparemment. Alors là, on va ajouter de l'eau. Et puis bah, tout le nécessaire habituel. Le trampoline. La baballe. Arrival, c'est quoi ça? Non. Animaux. Alors attendez. Voir les objets. Oui, bah, ça on a bien vu. Décoration, non, on n'a pas, mais on peut mettre des arbres apparemment. Et des abris, on peut en mettre aussi. C'est des espèces de gros rochers, d'accord. Et non, on peut toujours pas. Ben non, ben tous ces animaux-là, maintenant c'est bon. Je suis autosuffisant, si j'ose dire. On pourrait rajouter des serpents, mais je veux attendre d'abord de voir ce que ça fait. Alors attendez, est-ce que le cochon qu'on va recevoir. Là, c'était quoi? Non, comment ne pas savoir? Je peux pas savoir. Je crois que c'est pas le bon sexe. Je crois que c'est que des mâles. Bon. Opération séduction. Est-ce qu'on peut voir avant de les secourir? Non, bah, de toute façon, en plus, on n'a pas de port. Là, on peut pas. Ici, on a les serpents. Et là, il y avait des loups. Les loups, je trouvais ça cool. Et il nous faut deux serpents.
Ça, on a pris. Ah, et ici, c'est quoi? Les hippopotames! Il leur en faut 3! Ah ouais, non, c'est beaucoup trop cher. Bah du coup, on va s'intéresser quand même au serpent. Il nous faut un cheval. Alors ça... Hop, hop, hop. Age 0. C'est celui qui vient de naître. Allez, on le sélectionne et on le vend. On va mettre les serpents. Bon, j'avais dit que je gardais l'enclos pour ça. Non, bah finalement, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Alors, hop, s'il te plaît. Voilà. Ok. J'aime bien la nuit, franchement, quoi. Le parc est joli. Malheureusement, on n'a toujours pas de porc femelle. Non, on n'a que des femelles, je crois. C'est ça. Non, on n'a que des mâles. Les musiques sont sympas, franchement, honnêtement, quoi. C'est présent sans être trop embêtant. Alors, on a des recherches. Fais voir un peu. On n'a toujours qu'un scientifique. Ah, on a deux personnes qui ont postulé. Bah, allez, Ray, on te prend. Tac. Parfait. Comme ça, normalement, nos recherches vont aller beaucoup plus vite. Et ça tombe bien parce qu'on en veut un peu plus. Qu'est-ce qu'on pourrait se mettre? Ça, un nouveau magasin. Oh là là, l'effet qui fait mal à la tête. Poum 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 poum. Là, on a deux. Bon, on regardera après. Et on va créer tout de suite le nouveau magasin. Mince, c'est pas le bon pot, truc. Tac. Ah, c'est classe. J'ai envie de le mettre face à nous pour que ce soit plus joli. Parce que si je le mets de dos, regardez, c'est. Ah, quoique, non, c'est pas gênant. Enfin, c'est pas ouf, quoi. Comment ça? Ouah, j'ai pas les sous. Ça pique. Et du coup, on n'a plus de thunes. On va accélérer. Ni. J'avais pas pensé à ça, hein, pour être honnête. Ça, je l'avais pas vu venir le coup de. On n'a plus d'argent. Est-ce qu'il y a des tâches qu'on pourrait valider qui nous fileraient du pognon? Là, les 200 clients, ça, on peut rien y faire, mais ça va bientôt se faire. Avoir 25 animaux, on en est loin. Avoir 4 hybrides. Les hybrides, on en est où? Dans 2 jours. Mais on n'a plus d'enclos pour eux. Je vais mettre avec les serpents, tout va bien se passer. J'en suis convaincu. Hop, fin du jour. Ah, ça y est, on a l'argent. On va repasser en or. Ouais. D'accord, les serpents adorent faire du. Comment ça s'appelle? Du trampoline. Alors, on va créer notre boutique, puisque ça peut que nous rapporter des thunes normalement. C'est là. Alors, franchement, je vais la mettre là en attendant. Pire, je la déplacerai après. Et on va embaucher un type. Hop là, mon gars. On accélère. Youp là. Faut que tu vendes ta truc. Alors, on pouvait modifier aussi le billet, le prix de l'entrée, honnêtement. On pourrait peut-être passer ça à 9 dollars, on a pas mal d'attractions maintenant, quoi. On a quand même pas mal de gens. Ça nous fera un peu plus de sous. Est-ce qu'on peut modifier un peu les tarifs ici ou pas? Manage. Ah, on peut, on peut, on peut. Bon, ça, je veux pas y toucher pour l'instant, honnêtement. Ça marche bien comme ça. Le but, c'est pas non plus d'escroquer les gens. Ah, on a un bébé ici, donc ça veut dire qu'on a un mâle et une femelle. Et les serpents, on n'a pas regardé.
Un mâle, une femelle aussi. Parfait, donc ça nous permettra d'échanger contre les autres gars un peu plus tard. Il y a juste au niveau de l'amusement, ils sont pas super bien quoi. Et ça par contre, on a tout. Ouh, on a plein de recherches à prendre. Mais je crois qu'on a tout débloqué, hein. La déco. On va prendre ça. Juste histoire de vous montrer ça. On peut avoir des toilettes améliorées. Des bancs améliorés. Ouais, maintenant on a des recherches. Ah, des signes du zoo. Alors, ah oui, dans ce cas-là, c'était de ça, non? Maintenant, on est à fond. Hop, bon, je vais essayer d'augmenter tout simplement les trucs qu'on n'avait pas vus jusque-là. Combien on a? On a un point. Bon, on va attendre un petit peu. Et on va regarder du coup maintenant ce qu'on peut faire de plus. Flaf, alors, bon, les enclos, on a toujours qu'un type d'enclos. Là, la boutique, ça n'a pas changé. Ici, oh, des toilettes en briques. Allez, on va les mettre là aussi, là, à côté du magasin. Tac. Comme ça évitera des incidents. Alors, on avait dit, il y a un nouveau type de chemin. Alors, il y a deux types de chemin. Il y a de la cobblestone. Je préfère la brique, honnêtement. Ouais, ça change un petit peu, mais voilà. Et une sorte de brique venant des cercles rouges, ils disent. Ok. Bon, c'est pas ouf, mais c'est déjà pas mal. Des plantes en plus. Alors, j'ai l'impression qu'on peut même passer à la deuxième page. Allez, des petits pots de fleurs. On va égayer un peu notre parc. Comment? Je ne sais pas. On va mettre des bancs. Ah oui, on a des bancs à mettre. Donc ça, pour l'instant, on n'a pas plus de choses. Ici, comment ai-je pu oublier? On aime notre zoo. Bah, bien sûr qu'on aime notre zoo. Regarde, hop, devant les serpents. Là. Des bannières. Ah, c'est stylé. Il y en a partout, ça, dans les parcs. Bon, là, c'est juste pour tester, hein, vu que ça va être bientôt la fin de la vidéo. J'essaye un petit peu de vous montrer ce qu'il y a d'autre. Voir s'ils sont différents. Ouais, franchement, je préfère les premiers. Ah, les bancs, par contre, c'est beaucoup mieux. Hein. Poum. Ben voilà, là, on est mieux comme ça. Alors, par contre, ouais, on peut que c'est forcément décalé, quoi. Ça, c'est un petit peu dommage. Si j'avais un petit commentaire à faire. Hop. C'est que je les mettrais autrement les bancs. Enfin, qu'ils puissent se coller au truc pour pas perdre d'espace. Ici, on n'a rien de nouveau. Là, on n'a rien. Et ça, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est pas disponible dans la bêta, d'accord. Alors, est-ce que le marché noir non plus est pas disponible ou est-ce que je l'ai simplement pas trouvé? Là, je saurais pas vous dire honnêtement. Si vous le savez, je veux bien le voir en commentaire. Mais honnêtement, ça fait 2 fois que je fais le jeu et malgré avoir cliqué la première fois, j'ai cliqué un peu sur tout, hein, vraiment pour voir. J'ai rien trouvé du tout, quoi. Ça, c'est le nombre de visiteurs dans le parc, si vous vous posez la question. Hop, on va regarder les recherches. Voir s'il y en a d'autres qu'on peut encore faire. Bon, améliorer ce genre de truc, on s'en fout un peu. La déco. Oh! Ah, le fait d'avoir des... Enfin, ça utilise moins d'énergie aux gens pour se déplacer, d'accord. Abri niveau 2. Voyons voir un peu ce que ça donne. Par contre, c'est ouais, amusement, bah, on a vraiment tout fait pour les animaux, mais malheureusement, bah, on n'a pas de truc en plus, quoi. Hop, des pubs en plus, ok. Oh, ils sont pas contents du prix. Vous voyez? C'est trop cher. Allez, 6. J'ai été un peu fort. Du coup, on a moins de visiteurs. C'est un peu dommage. Ah, on a un mec enfin disponible. On va pouvoir avoir un parc un peu plus propre. Je t'ai attendu toute ma vie, toi. Voilà. Bon, ça c'est fait. Juste pour voir, du coup. Hop là.
Ouais, d'accord, c'est des trucs en paille. Ah ouais! On peut leur mettre des... Stylé! Ouais, selon les zones et tout ça, on peut décorer différemment. Vous voyez, là, ça serait peut-être plus la zone jungle, un peu safari, quoi. Du coup, on pourrait mettre un abri avec ce genre de toit, quoi. Ok. Bah écoutez, je trouve ça pas mal. Honnêtement, le jeu est vraiment intéressant. Je me suis bien amusé à le faire. Vous voyez, je l'ai refait deux fois directement d'affilée avec plaisir, quoi. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes.